Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour jeter un petit coup d'œil. Regardez, il y a un patch que vous pouvez mettre sur votre ROM de Mario Kart DS. C'est le CTGP Nitro. Qui va rajouter des circuits et améliorer d'autres circuits et changer des musiques aussi. Alors on va faire single player. Voilà, alors je suis en émulation parce que je peux pas trop filmer la DS, c'est pas pratique. Et après, je vais vous montrer, il y a. On va faire 100 cm cubes. On va prendre Mario! Voilà, parce que je sais que vous adorez Mario. Regardez! On a les rétro Grand Prix et en haut on a les Nitro Grand Prix. Donc il y a la coupe Mushroom, la coupe Flower, la coupe Star Cup, la Special Cup et après vous appuyez sur R. Vous avez la Po Cup, la Moon Cup, la Egg Cup. Alors ils ont dit qu'on pouvait jouer en ligne, je vois pas comment on fait. Je joue pas trop en ligne. Alors on peut peut-être patcher, enfin utiliser la DS. Je sais qu'ils voulaient faire un service de online privé sur la 3DS. Regardez la Big Up, on a le Pro Mario Circuit 2, l'Alonzo Park, le Lava Beach. Bah ben voilà, vous avez les rétro Grand Prix. Donc ça fait 16 nouveaux circuits qui ont été mis en haut. Alors attendez, on va commencer petit, on va faire voilà. On va commencer là-dessus, Mushroom Cup. Ok. Donc sur l'émulateur, j'ai mis la résolution x3 quand même. C'est pour ça que l'image est mieux, on va dire. Vous avez le petit écran à droite. Et le grand, et ici, alors par contre je crois que sur cet émulateur, on peut jouer qu'avec la croix, et pas le stick. Allez, on va essayer de faire un départ turbo. Presque. Voilà, moi celui que j'apprécie beaucoup en ce moment, c'est le Mario Kart 3DS. Surtout avec un circuit style... les mille et une nuits. Franchement c'est bien sympathique, tiens regardez, hop, j'ai shooté. Voilà, donc alors pour les musiques, je sais pas, parce que j'ai pas joué des masses à ce Mario Kart. Voilà, c'est une musique classique, voilà, je connais quand même certaines musiques. Mais vous voyez, des nouveaux circuits, je sais qu'ils ont enlevé, parce qu'il y avait quelques bugs. Vous avez juste à récupérer le patch, et puis à patcher votre ROM officielle, et il y a un patch pour la ROM Jap, un pour la ROM US, un pour la ROM Europe. Mais regardez, quand même un beau travail, hein. Alors je peux pas vous mettre de lien vers la ROM patchée, parce que Nintendo n'aime pas ça. Allez savoir même si même le projet va pas disparaître un beau jour. Eh hey, mais je me suis fait toucher par ma propre bombe, c'est honteux ça. Je suis combien? Je suis sixième. Ça serait bien que j'ai un petit suppositoire là ou un petit champignon quoi. Il y a quelqu'un devant. Et je crois qu'ils ont redesigné les persos aussi. Tiens, on va les shooter tous les trois. Ah, c'est Wario qui est devant. Allez, un petit coup de champignon. Puis après, je montrerai un petit tour de quelques circuits. Ah non, la tache d'encre, j'y vois plus rien. C'est honteux. Ah, ton final. Bon, je suis deuxième. Voilà, Mario Kart, c'est vraiment un jeu qui a bien évolué. Tiens, alors, des bananes dans le dos. Après, la DS, pour ce jeu, elle amenait pas grand-chose. Le deuxième écran, c'est juste la piste vue par-dessus. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ah, une fausse boîte. Ça, c'est dommage, ça a disparu, les fausses boîtes. J'aimais bien ça, les gens font pas gaffe, et hop, ils prennent la fausse boîte. Bon, ce circuit était assez simple, hein. On va encore en shooter un. Allez, hop. Oula! Non, mais je me suis pris la bleue alors que c'était pas moi le premier. Vite, il faut trouver... Il faut le doubler, lui. Ah, deuxième. Ah, c'est honteux. Ouais, je vais essayer de vous montrer deux ou trois circuits d'autres courses. Histoire que vous ayez un aperçu, ouais, mais on fera juste un tour. Hein. On va essayer ce circuit, et le... enfin cette coupe, on va juste faire le premier circuit et le monochrome. Donc un circuit style Game Boy. Ça a l'air original ça. Monochrome Raceway. C'est ça, c'est couleur Game Boy. Et j'ai pris toi, Adam, vous l'avez vu, j'ai changé de perso. Ouais, c'est vrai qu'il faut jouer avec la croix, j'étais en train de bouger le stick, moi. Ah, il s'est pris une fausse boîte. Ouais, je vous avais fait une vidéo aussi, allez voir la vidéo sur le Mario Kart GameCube avec des nouveaux circuits, c'était vraiment pas mal. Alors, c'est le bouton pour jeter la carapace.
Après, c'est pas le plus joli des circuits, je trouve. Hein. L'hommage est sympathique, mais esthétiquement, je sais pas où me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On va jeter la bombe derrière. Ah non, mais regardez, j'ai encore la tache d'encre. Ah, par contre, j'aime bien la musique. Ah non, les petits cubes. Je suis premier. Ok, on va jeter un oeil à notre... Ah non, il y a... Attendez, final loup. Final tour, on va le faire. Comme ça, on verra le circuit d'après. À tous les coups, je vais me prendre la bleue, parce que je suis premier. Et je vais garder ça derrière moi. Faut qu'on essaierait de me shooter. Toad, c'est celui que je prenais toujours sur la Super Nintendo, c'est celui qui roulait le mieux. Bah ouais, forcément, j'ai eu la carapace bleue. Ah, foutu, je... Allez, un petit champ pipi. Oula, la rouge. Mais je réussis à le doubler. Encore une carapace. Une boîte, je veux dire. Vous avez les gombas au milieu de la piste aussi. Ah, il a mis des bananes, lui. Là, c'est une fausse boîte, ça. Allez, dégage. Laisse-moi passer. I am the first. Encore une boîte. Une carapace, je la mets derrière moi pour me protéger. Bah, parfait. Premier. Hop là. On va jeter un coup d'œil au deuxième circuit. Pam pam pam. Bon, vous avez vu le nom de l'émulateur, hein. Le Maker Mountain. Voilà, alors si vous récupérez le patch, en même temps vous avez le patcher qui fournit avec. Donc c'est pas compliqué, il faut juste trouver la bonne ROM. J'ai tapé Mario Kart DS FR, hein, je l'ai trouvé de suite sur Google. Ouh là, il y a des paquets de glace là. Voilà, ouais, Mario Kart, à part peut-être les Sonic Transformed, pas le dernier qui est sorti. Mais les deux premiers étaient top. Mais c'est vrai que sinon, tous les autres jeux de cartes que j'ai joué, les Schtroumpfs, Shrek, c'était pas terrible. Ouh là. Et après, je vous dis, ça rend mieux sur la DS. Forcément, elle en joue dans une grande résolution, c'est pas adapté pour l'écran de PC, quoi. Oh putain, les bananes. Ouais, la musique, je la connais. Il me semble que là, sur le Mario Kart Switch. Hop là, elle évite la rouge. Yop là, je l'ai évité. Ok, sympathique, on va changer de perso. Vous avez vu la ligne d'arrivée? C'est comme dans le jeu Mario. Et de piste. Oh, je vais prendre Rob, tiens. Regardez, il y a Rob. Et on va aller où? Ah, on va faire ça, tiens. La Freeze Cup pour le premier circuit. Le Rosalina Star Trip. Hop là. Bizarre le Rob. C'est vous. Et je vous disais, vous allez voir sur le site, il y a des circuits anciens qui ont été améliorés aussi. Voilà, mais là, c'est pas le jeu auquel j'ai pu jouer, moi, la version DS. Je vous dis, j'aime bien la 3DS avec le circuit un petit peu style mille et une nuits. Putain. Ah, il y a quand même un beau travail, hein. N'oubliez pas que là, je suis en résolution x3 quand même. Sur l'émulateur. Pousse-toi, Bowser. Ah, il y avait deux routes. On va éviter de le coller, lui. Pousse-toi, hop. T'es tombé, ouais, mais le Rob, c'est un peu... C'est pas ce qu'il y a de plus joli, quand même, je trouve. Comme perso. Il est original, mais bon. Je suis Rob, le robot. On va jouer à Jérômeite. Hop là. Je sais pas pourquoi il a pas pris la boîte. Voilà, puis après il y aura un dernier circuit, je pense. Hé, mes fesses. La petite chute d'eau, là, est sympa, je trouve, du bateau. Voilà, et puis ceux qui savent comment on peut jouer en ligne, vous me le direz, mais de toute façon, là, je peux pas parce que je suis sur l'émulateur PC. Là, je ne suis pas sur la vraie console. Ok, là, il va y avoir un dernier petit circuit. Je vais essayer un dump trial, comme ça, je pourrais choisir un circuit, je pense. Voilà, on a quoi comme coupe
On va essayer ça. Et on va essayer le Todd Barbecue, je vais voir, c'est à moi. Allez, un time trial. Regardez, j'ai pris la princesse. Elle est dans un pic. Oh, mais j'ai oublié que ça a été la croix pour retourner. Parce que suivant les émulateurs... Il y a du lait. Suivant les émulateurs, des fois c'est le stick, des fois c'est la croix. Allez, il y a Mario. Youp là. D'accord, on est sur la table de barbecue. Bon, j'imagine qu'en en jeu avec des concurrents, ça va être un peu plus dur quand même. Ah non, attendez, c'est par là. Des hamburgers. Big Mac. Oula, ça donne envie de manger tout ça. Et le soda, c'est le soda Todd. Oups là, c'est de l'autre côté. J'ai oublié de tourner. Ah, mais il y a le coca qui coule d'ailleurs. Et là, il y a les tomates tueuses. Ah, c'est sympathique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, écoutez dans les commentaires. Voilà, mais je trouve ça sympa, moi, comme petit Mario Kart. Donc écoutez, là, regardez, je vous mets leur trailer, ils ont fait un petit style VHS, voilà. La MKDS Community présente le petit patch qui va bien, avec lequel vous allez pouvoir améliorer votre jeu. 16 nouvelles pistes, 6 nouvelles arènes, je vous ai pas montré les nouvelles arènes. Les nouveaux skins. Voilà, le CTGP Nitro. Donc ça a l'air assez sympathique. Regardez la Sky Hydra Cathédrale. Je vais l'essayer moi sur ma Switch, hein. Je vais utiliser la cartouche que je vous avais présentée là. Mais après ça marche aussi sur une arcade plus moins chère quoi, on va dire. Voilà, pour jouer avec les nouveaux persos, les trucs améliorés. Une nouvelle piste musicale, je vous l'ai dit. Regardez-moi ça. Donc écoutez, voilà, je vous mettrai tous les liens en description. N'oubliez pas que c'est une. C'est un patch pour votre ROM. Ça n'est pas la ROM directement utilisable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde !